pick, though. Adieu, chère princesse. Choui. Leia t'a désigné comme successeur. On fait quoi? Je dois avouer que je ne sais plus comment le faire. Je me sens pas à la hauteur. Nous n'étions pas prêts non plus. Venez me rejoindre sur Exegol. Général Pride, envoyez un vaisseau bombarder un monde qu'ils connaissent. Oui, monseigneur. Elle viendra. Ses amis suivront. Maître Skywalker. L'arme d'un Jedi mérite plus de respect. Si tu n'affrontes pas Palpatine, c'en sera fini des Jedi. Ma sœur avait quelque chose pour toi. Je ne partirai plus jamais d'ici. Parce que tu es une Palpatine. Vous le saviez? Leia le savait aussi. Elle m'a quand même formée. Rey, il n'y a pas que le sang qui parle. Oui, si tu veux. Les deux sabres pour Exegol. Sans orienteur et sans vaisseau. J'ai détruit celui de Kylo Ren. Tu as tout ce qu'il te faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Vous pourriez me donner un indice, s'il vous plaît? Un indice? Tu es sur le point de combattre l'empereur Palpatine et tu me demandes des indices? Vous étiez vraiment vague. Moi, vague? Heureusement que tu n'as jamais rencontré Maître Yoda. Deux. Tu vois, je t'avais dit que tu avais tout ce dont tu as besoin. Ah,
presque un combat. Mais attendez, comment je vais aller sur Exegol? Le vaisseau est détruit. Mok. Il y en a un autre. Là, tu peux prendre le mien. Utilise la force. Oui. Concentre-toi. Sambona. Palpatine est fort. N'oublie pas ce que tu as appris. Merci. J'essaierai de m'en occuper. Fais ou ne fais pas. Il n'y a pas d'essai. Ça, c'est collecteur. C'est Rey. Elle est en route pour Exegol. Kid Jimmy? Comment? C'est un destroyer stellaire qui a tiré. Un vaisseau surgit des régions inconnues. Des armes capables de détruire une planète. Général, ce droïde a plein d'informations sur Exegol. Tant que leurs destroyers stellaires sont sur Exegol, on peut les attaquer. Ils doivent sûrement avoir un type d'oscillateur thermique. Et pourquoi pas une bouche d'aération quelque part? On pourrait tirer sur ça. Une sorte de réacteur principal. De quoi parlez-vous? Il suffit un signal émis par une tour de guidage, comme celle-ci. Une escadrille va repérer la tour et un commando va la détruire. On n'est pas assez nombreux. C'est là qu'on a besoin de Lando et Chewie. Ils vont prendre le faucon dans les systèmes du noyau. Nous avons des amis là-bas. Je suis C3PO, relation humain, cyborg. Est-ce que ton équipe au sol est là? Ouais, on dirait que le transport vient de rentrer. Eh bien, je te souhaite un bon voyage à travers la galaxie avec un tas d'orbacs à l'odeur exquise, Général. Merci, Général. Alors, nous y voilà. Regardez cette flotte. Longtemps, j'ai attendu le retour de ma petite fille. Je ne suis pas venue pour régner sur les Sith. Je suis venue pour les éliminer. Mon esprit pourra passer. Tu deviendras l'impératrice. Nous ne ferons plus qu'un, toi et moi. Ils n'en ont plus pour longtemps. Et c'est toi qui les as menés jusqu'ici. Élimine-moi. Monte sur le trône. Accomplis le sacrifice. Oh.
fais-le. Ma petite fille se battant aux côtés du petit-fils de Vador. Il y a toujours un drame familial dans ce texte. Tu es si prêt d'accomplir ton destin. Enfin, tous ces produits dérivés impératrice Palpatine vont se vendre comme des petits pains. Je ne me lasse jamais d'électrifier les Jedi compétents. Allons-y! Je préfère un combat direct plutôt que tous ces coups en douce. Calme-toi, s'il te plaît. Que dirais-tu d'un bonbon à la menthe de ton cher papy? Quoi? Vous avez eu beaucoup de temps pour faire de la muscu ici, hein? Tu croyais vraiment que j'allais te donner mon empire entier? Tu as eu peur que je parte pour faire un bel adieu au sabre laser? Restez ensemble. Tombez. Une dyade dans la force. Votre double pouvoir va restaurer le seul et unique. Le voilà. On se fait déposer dessus. Tous les appareils, couvrez le lander. La tour étroitement. Les explosifs fixés hors base doivent atteindre la tour. Alors restez tout près. Attention tout le monde! Chasseur TIE! Ces orbes vont se transformer en hors-bombe si ces explosifs essuient trop de tir! Général. Wow, wow, wow! Ça arrive! Attention!
moyen pour que les Horvath passent ce TIE. Tout le monde en selle. Ah, derrière toi. Vite, j'ai touché. Descends droit sur vous. Attention. C'est pas bon. Oh mince, ça fait mal. Vu que Snap est incapable de se garer correctement, on doit maintenant trouver un moyen de contourner cet X-Wing. T'as raison. Couper le courant devrait nous permettre de passer en sécurité. Allez, allez, allez! Préparez-vous à voir beaucoup plus de rouge dans la galaxie! S'il y a un terminal pour désactiver ce générateur, nous devons le trouver. Tu penses qu'on pourrait contrôler cette tourelle et faire exploser le X-Wing pour le bouger ? Abritez-vous! Nous ne pourrons pas approcher de cette trappe tant que la tourelle ne sera pas détruite! Puissance de feu maximale sur ces bouches d'aération! Nous devons arrêter la tourelle! Arrêtez ces chevaux de l'espace! Concentrez les tirs sur les bouches d'aération, c'est la seule manière d'arrêter la tourelle. Enfin, notre première mission. Oh là là! Ce double V et la tourelle sont les derniers obstacles entre nous et la trappe. Détruisez les bouches d'aération et arrêtez ce droïde! Regardez ça. Regardez ça. Ha ha ha!
débarrasse, saleté de vaisseau. Ah, Zori, tu es venu. Les systèmes ne répondent plus, R2. Est-ce que vous me recevez? Soyez avec moi. Soyez avec moi. Encore quelques pas, Ray. Lève-toi et accomplis-les. J'aime pas le sable. D'accord, je suis. Le moment est mal choisi. Ray, la force est avec toi. À tout jamais. Une plieuse d'épave n'est pas à la hauteur du pouvoir qui est en moi. Et si illimité, je peux rester ainsi à jamais. Je suis tout l'esprit. Et je suis tous les Jedi. Lucky, aide-moi, aide-moi. Ah mince, il n'est pas là, c'est possible. En approche. Les gens se soulèvent dans toute la galaxie. On a réussi. Je suis C3PO, relation humain, cyborg. Affiègement. Récupération des données terminée. Je m'appellerai Rey Skywalker.